Alors, nous avons mené une réflexion vers une connexion sur un point de peering pour deux raisons principales. La première, c'est qu'en fait, notre data center parisien regroupe l'intégralité du trafic Internet pour nos utilisateurs européens. Donc, ça représente environ 40 000 personnes. Donc, ceci génère beaucoup de trafic Internet et tout notre trafic Internet sort par notre data center parisien. Donc, nous avons cherché à augmenter notre capacité d'accès à Internet tout en réduisant les coûts, et donc à chercher une solution alternative pour capter du trafic Internet. La deuxième raison est due au fait que nous avons massivement transféré des applications vers le cloud, et le fait de se connecter sur un point d'échange nous a permis de nous connecter vers nos cloud providers. Donc la question qui nous est souvent posée, pourquoi Schneider Electric a rejoint le point de peering du FranceX alors que nous ne sommes pas opérateurs? Pour deux raisons principales. La première, très opportuniste, du fait que nous sommes très proches d'un des data centers de FranceX. Ça nous a permis de nous connecter très facilement et à bas coût sur le FranceX. Et la deuxième raison principale est due au fait que nous avons migré beaucoup d'applications vers le cloud et que ces cloud providers sont disponibles sur le FranceX, donc typiquement Amazon, Azure, WebEx, pour ne citer que. Donc nous avons choisi FranceX en premier point d'échange parisien. Donc FranceX a été le premier point d'échange sur lequel Schneider Electric s'est connecté. Donc pour la petite histoire, au début nous ne savions pas quel trafic nous allions passer sur ce point d'échange. Donc moi j'avais dit qu'on allait passer à peu près 50 mégabits par seconde de trafic, essentiellement tiré par le trafic Google. Et en fait, au bout d'un an, on se rend compte qu'on passe 250 mégabits de bande passante Internet. Donc Schneider Electric s'est connecté au FranceX à 1 gigabit par seconde, sur un port 1 gigabit par seconde, d'abord limité à 200 mégabits par seconde. Mais fort du trafic que nous passons sur le FranceX, nous avons dû upgrader vers 1 gigabit par seconde. Donc nous utilisons les routes serveurs du FranceX pour collecter ce trafic. À côté de cela, nous avons été aussi obligés de nous connecter en direct avec des membres du FranceX qui ne sont pas présents sur les routes serveurs, typiquement Amazon ou Microsoft. Donc actuellement, le trafic que l'on passe sur le FranceX équivaut à 35% de notre trafic Internet global. Depuis que nous sommes connectés sur le FranceX, nous avons capté énormément de trafic Internet sur ce point d'échange, ce qui a réduit la fréquence d'upgrade sur nos liens de transit. Donc Schneider Electric a pris le pari du cloud computing, et donc a migré certaines de ses applications critiques métiers dans le cloud, et nous avons décidé de mixer le cloud et le peering pour gagner en performance. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de construire une politique de peering forte afin de garantir les performances sur le cloud, sur les accès cloud. Notre politique de peering en fait est tirée par notre adoption au cloud. Aujourd'hui, notre politique de cloud et de peering est très étroitement liée, savoir que nous cherchons à faire du peering avec les partenaires cloud que nous choisissons. Et ça devient même une contrainte forte en termes de déploiement. Nous cherchons absolument à ce que des cloud providers soient présents sur des points de peering ou soient éligibles en peering privé. Nous suivons vraiment de très près l'évolution du FranceX et des membres et des nouveaux membres qui se connectent sur le FranceX. À titre d'exemple, Facebook va bientôt être autorisé chez Schneider Electric et nous allons donc capter le trafic Facebook en utilisant le FranceX et donc décharger nos liens Internet de transit. Un autre exemple est qu'une application interne utilise LinkedIn chez Schneider Electric et donc nous allons peerer avec LinkedIn sur le FranceX pour décharger ce trafic de nos accès Internet. Nous allons aussi migrer le trafic WebEx que l'on capte actuellement sur un autre point de peering sur le FranceX. Les projets de Schneider Electric autour du peering sont en fait la réplication de notre politique de peering construite en Europe grâce au FranceX dans un premier temps. Donc de répliquer cette politique de peering sur d'autres pays, sur la plaque US et sur la plaque Asie-Pacifique.
Donc nous allons dupliquer en fait le modèle de peering sur ces plaques. Je pense que la croissance organique même de l'Internet et du cloud fait que notre trafic sur le FranceCX va augmenter dans les mois et années qui viennent. Donc si vous voulez peerer avec Schneider Electric, l'adresse est peering@schneiderelectric.com.